vois là, c'est l'engrais que nous on met. Parce qu'en bio, ça ne pousse pas tout seul. Il faut mettre des éléments, mais seulement qu'on mette des éléments naturels. Ça, c'est de la vinasse de betterave, de la farine de plumes, du guano, des poils de porc, des os, tu vois. Bon, tout ça, c'est mis là. Et ça, ça fait l'engrais pour les plantes. C'est-à-dire, nous, on fait revenir à la nature et on a pris dans la nature. On a bouclé la boucle. Ça, c'est des framboises d'été. Voilà. Nous, on a la tige. Après qu'on a raccourci, on a éliminé une partie de la tige parce qu'il y en avait beaucoup plus que ça. Et ça, ils vont donner cette année. L'année prochaine, c'est ces pousses que tu vois là. Tu vois là. Et ça, c'est la pousse qu'elle va produire l'année prochaine. Ça veut dire que d'ici au mois de juillet, sa pousse là, il fera la même hauteur que ce qu'elle doit produire. Là, il y en a un autre. Ça commence à partir à tous les... Voilà, tu vois. Ben là, c'est une rhubarbe qui vient de démarrer, là. Parce que dans l'hiver, on n'a rien. Ça commence à s'ouvrir, tous les bourgeons, ils s'ouvrent. Et après, bon, ils se développent. Et ce que nous, on fait, c'est qu'on coupe la feuille et on met la tige pour la confiture, pour le suprême de rhubarbe. Alors, tu vois, là, on est en petit magret, on va attacher. Alors, pour cueillir, il ne faut pas aller à la fac, mais pas loin, quand même. Parce que il ne faut pas les faire tomber, il ne faut pas casser la tige. Parce que nous, pour 20 jours, 25 jours, on va cueillir tous les jours parce qu'il ne faut pas les cueillir quand il n'est pas mûr ou quand il est assez mûr, après il tombe par terre. Alors pratiquement, c'est qu'il faut tout le temps voir par rapport à la couleur, tu te rends compte si la framboise il est mûre ou pas. Après, bon, tu prendras le coup d'œil. Mais... Regarde, là, il cache dans les framboisiers, on a même un nid. Si moi je cultive, les oiseaux ils vont faire les petits où je cultive, vous dire qu'ils se trouvent bien et qu'on a réussi à créer un milieu écologiquement favorable pour la production et en même temps parce que la nature continue à exister. Voilà. On n'a pas une contraposition entre la nature et la production. Personnellement, pour moi, c'est un point important. Là, tu as la fleur. Là, tu as la fleur. Et là, c'est déjà la fleur qui a été fécondée. Tu vois comme qu'il est petit. Et après, ça va devenir une courge comme ça, le mois de novembre. Hop, elle est partie. Bah, ça, c'est la fleur qui a été fécondée. Et là, tu as le petit marron prochainement.
avec lequel on va faire tous les veloutins. Vu que uno des principes de Bouger Côté Ferme, c'est que on doit produire ce qu'on vend. Nous l'oignon, on l'utilise pour le confit d'oignon, ça c'est normal. Mais dans toutes les préparations qu'on fait, on met de l'oignon. Alors c'est pour ça qu'on a pas mal à en faire pour assurer l'approvisionnement pour un an. Ça, tu le peux mettre dans la salade. Oui. Tipo comme si c'était de la ciboulette. Oui. Et ça, ben. Je peux les manger en salade aussi. Tu les manges aussi en salade, mais ce n'est pas de l'oignon blanc. Hein. Oui. C'est de l'oignon jaune. En réalité, nous, ça nous intéresse que les courgettes soient un petit peu grosses. Là, tu vois comment que la courgette, il s'est fait, il a encore la fleur. Et voilà, la courgette après là. Et après, on a d'autres courgettes qui se développent et on les fait grossir un petit peu, comme celle-là. Bon. On va voir si... C'est bon comme ça. Pour nous, ça c'est nouveau, parce que même quand on fait les confitures, tu vois, on l'appelle le suprême. Alors les gens disent, mais c'est quoi un suprême par rapport à la confiture? On doit tout le temps expliquer qu'est-ce qu'on fait. Là, peut-être que c'est la première fois qu'on fait un produit qui est... c'est pas suffisant d'expliquer. Tu vois, on fait les châtenais, les gens disent, mais c'est quoi un châtenais? On fait les végétapéro, c'est quoi un végétapéro? Là, c'est un produit que tout le monde il sait. Ratatouille. Ils vont goûter, ils vont voir s'il est bon ou pas. Mais on sait de qu'est-ce qu'on parle. Il se présente tout seul. Au niveau des couleurs, c'est bon. Alors il faut que le mois de septembre, on a tous les produits en même temps et une quantité suffisante pour ne pas pénaliser les autres produits qu'on fait déjà. Alors pratiquement, nous, on va ajouter encore un produit, une quarantaine de produits qu'on présente déjà. Bon, et avec ça, on a fait 24 pots. Toujours bon aussi à la fin. Tu veux goûter? C'est pas mal.